tout le monde, que j'en se retrouve dans une nouvelle vidéo, que j'en se retrouve pour un haul action. Alors oui, je suis revenue de vacances et je ne pouvais pas revenir sans haul action, non je rigole. En fait, bah, c'était pas prévu mais on y allait comme ça. Voilà, donc bah, je vais vous faire ce haul action. J'ai un article de chez Stokomani aussi que je voulais vous montrer, voilà, que je trouvais assez intéressant. Et voilà. Donc chaque son j'ai eu ce sac réutilisable, donc franchement c'est super cool. Je suis très heureuse de l'avoir eu parce qu'en plus il tient bien. Enfin autant vous dire que ce que j'ai dedans c'est très lourd. Et non franchement il tient bien, enfin il a l'air pas mal. Alors je n'ai plus les prix parce que du coup je n'ai pas le ticket en fait, voilà. Mais en tout cas il est bien et bah, c'est mieux pour la planète, c'est recyclable etc. Donc franchement non, il est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai un article de Stokomani et un article de papeterie qui vient d'une boutique du 13e. Voilà, si vous connaissez le 13e, c'est, bah, si vous connaissez pas plutôt, c'est un quartier de Paris plutôt asiatique. Donc voilà, donc c'est, je l'ai eu dans le magasin Musica je crois. Voilà, enfin bref, on est là-bas, j'ai acheté un article et donc voilà, donc je vais juste vous montrer mon sac, hein. Voilà, alors, est-ce que je vais réussir à tout sortir? Absolument pas. Comme d'habitude, je vais forcément faire une gaffe. Alors, il y a un produit que j'ai déjà ouvert, enfin, j'ai déjà regardé, mais voilà. Et j'ai un petit peu la voix cassée, on va pas tout critiquer, voilà. C'est parti, il y a tout qui tombe, vous voyez, voilà, ça vient de tomber, vraiment, je suis nulle en déballage, ça, c'est sûr. Alors, attendez, je ramasse mon article, voilà, ramassé. Vous aurez un haul dans la semaine encore, je crois que je l'ai programmé jeudi, mais ce sera plutôt... tourner sur, enfin pas tourner mais axé sur des vêtements quoi, vêtements, make-up, un petit peu, voilà. Là j'ai que deux produits make-up donc franchement ça va, voilà. Bon alors ça je ne sais plus comment c'était, voilà, j'essaie de retrouver le sens, voilà, c'était comme ça. J'avais dit l'article de Stokomani d'abord, je sais pas où je viens de mettre l'article que je viens de ramasser. Alors, il est là. Bon, voilà, je vous montre les deux trucs hors action et on y va. Donc, dans la boutique du 13e, j'ai pris un stylo comme ceci, je sais pas si vous voyez très bien avec la luminosité, mais c'est un petit cactus, voilà, il y a marqué Hello dessus. Donc c'est un stylo, voilà, moi je le trouve très joli, vraiment. Voilà, je n'ai pas le prix parce que voilà. Alors on a un petit bout ici, mais je sais pas trop à quoi ça sert, mais en tout cas, bah, il écrit quoi, c'est un stylo, voilà. À pointe très fine. Et moi, bah, c'est ce que je préfère, quoi. Je préfère des stylos qui ont une pointe très fine. Alors je n'ai pas de papier pour vous montrer un petit peu, mais. Voilà, bon, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire juillet. Donc j'écris très mal parce que j'ai pas l'habitude d'écrire, mais voilà. En tout cas, voilà ce qu'il fait. Et franchement, j'adore ce stylo. Non, vraiment, il est top. Il écrit bien. Voilà. Il transperce pas le papier, donc ça c'est cool. Il écrit très fin. Voilà, moi c'est ce genre de stylo que je cherche un petit peu, mais je sais qu'ils en vendent à Muji. Voilà, mais j'ai pas de Muji à côté de chez moi. J'en ai vu un là où j'ai été, donc j'étais au centre commercial des Halles, je crois, ça s'appelle comme ça. Enfin bref, c'était à Châtelet. Mais enfin, on n'a pas été dans le Muji, mais bon. Voilà. Enfin bref, voilà, c'était pour l'article. À Stokomani, j'ai acheté bah, ce spray fixateur pour le maquillage, voilà, finition à lingerie. Il y en a un à Sephora que j'ai vu. Mais ouais, j'ai testé celui-là, alors je ne l'ai pas testé sur mon visage. J'ai testé sur ma main, histoire que ça me, voir si ça ne me donnait pas de boutons ni quoi que ce soit. Franchement, non, j'ai
J'ai rien eu donc ça va. Voilà. Alors je sais pas à base de quoi c'est. Mais en tout cas, ils ont mis de la rose dedans. Bon, ça. Ça sent bon, hein. Je vais pas vous les mentir, mais j'allais vous faire sentir. Vous ne pouvez pas sentir, mais. Oui, c'est les odeurs de lotion là, un petit peu bon marché, mais bon. Franchement, c'est. L'odeur quand vous la mettez, elle est pas trop, trop. Voilà. Le jet est bien, en tout cas, ça colle pas. Donc, ça, c'est cool. Je sais plus combien j'ai payé ça. Franchement, voilà. Mais pour 150 ml, pour le prix, franchement, je pense que ça valait le coup. Donc, je testerai sur mon make-up et je vous dirai. Je vous en dirai des nouvelles. Voilà. On passe enfin à Action. Donc, Action, produit make-up encore. Voilà. J'ai acheté cette poudre matifiante. Alors, j'en ai. Dans le projet, j'en ai acheté une de chez Sephora. Voilà, sauf que c'est pas que j'avais pas le budget, mais voilà, je préférais acheter autre chose. Bah, vous verrez dans les vidéos. Mais du coup, j'ai acheté celle-ci pour voir. Je l'ai testée pareil sur ma main pour voir si ça me faisait pas de boutons ni quoi que ce soit. Si ça allait. Donc voilà, donc celle-là, c'est la translucide, donc la transparente, donc numéro 7. Donc ça matifie quoi, ça finit votre make-up. Bon, le packaging on repassera, mais franchement il est plutôt pas mal. Bon, pour le prix, non, franchement il est bien. Bon, je trouve que on a une bonne contenance, franchement. Il n'y a pas d'odeur particulière. Enfin, quand je l'ai eu, il était tout neuf, donc ça sentait les vêtements neufs. Mais franchement, il n'y a pas d'odeur particulière. Voilà, je vous avais 10 grammes à l'intérieur, je pense que ça devrait suffire. Donc pareil, je testerai puis je vous en redirai des nouvelles parce que franchement j'avais pas de poudre matifiante donc c'était un petit peu embêtant. Enfin bref, voilà, je peux enfin jeter l'emballage mais voilà. Bon, on passe à ce qui n'est pas intéressant chez Action. J'ai acheté du washi tape. Du washi tape, non mais oui, non, ce n'est pas du washi tape, c'est du double face. J'en ai pris deux, voilà, mais je vais retourner pour en reprendre d'autres parce que pour faire mon stock parce que là, voilà, enfin j'en ai retrouvé. Ils ont changé l'emballage et tout, donc franchement je sais pas ce que celui-là vaut. J'en ai pris deux, voilà, mais je pense que ça devrait aller. Je sais pas du tout si c'est le même qu'avant ou pas, mais bon. Désolée pour les emballages, mais je voulais ouvrir avec vous pour voir ce que ça donnait. Bon, ça m'a l'air pas mal. Franchement, il est à 35 centimes. J'ai regardé pour 35 centimes le rouleau, franchement. Voilà, on n'a pas une grande adhérence, mais ça va. Voilà. Il m'a l'air bien. Voilà, c'est juste une double face. Vous savez comment j'en cherchais désespérément. Ben, j'en ai trouvé, donc je suis contente. Voilà. En tout cas, franchement, soulagement de l'avoir trouvé. Hein, mais bon. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, oh non! Mon bloc s'est déchiré. Donc, je viens de voir ça, ou alors il était peut-être déjà déchiré. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. J'ai pris pas mal de blocs. Voilà, j'ai pris que deux articles hors bloc. Voilà. Donc j'ai pris ces deux cahiers-ci. Voilà, donc ce sont des cahiers A4. Voilà. Donc c'est pas les 24 par 32, c'est les A4. Donc 21 par. Désolée, je suis un peu fatiguée. 21 par quelque chose, voilà. Non, franchement, c'était les deux plus beaux à mon goût que j'ai pris. Donc voilà, j'ai pris ces deux-là. Donc, ils sont plastifiés, donc ça c'est cool. Donc voilà, vous avez un avec des pastèques. Donc en fait, là vous avez le film avec les pastèques, je sais pas si vous verrez. Et là vous avez la couverture avec le papier brillant, donc ça c'est cool. Et les pages à l'intérieur sont comme ça. Voilà. Donc moi je pense que je vais prendre ces cahiers-là pour faire mes exercices l'année prochaine. Voilà, parce que ben, en général on a un cahier d'exercice. Voilà. Je pense que les pages suffiront. Voilà, hein, franchement, cahier d'exercice, ça se fait là. On va pas ne pas l'acheter. Donc j'ai celui-ci, je crois que c'est un 96 pages, je pense. Enfin, en tout cas, je pense. Mais il m'a l'air bien. En tout cas, oui, il y a marqué exercice bouquin. Hein, donc, ouais. Donc pour l'arrière, celui-là, c'est pareil. Mais celui-là, il n'est pas pareil. Donc là, vous voyez, un fond aquarelle.
Et bah du coup c'est juste la feuille du transparent. Enfin, je trouve que l'effet plastique leur donne un côté plus joli en fait. Voilà, je pense que c'est nouveau parce qu'avant on ne faisait pas de cahiers comme ça, enfin en tout cas j'en ai pas le souvenir, mais quand même ils ont augmenté la gamme. Nickel, donc ceci, voilà l'écriture. Je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a marqué dessus, franchement. Voilà, ces deux cahiers, quoi, je peux passer des heures dessus, mais ces deux cahiers, donc vous les verrez sûrement dans mon hall fourniture scolaire, parce que du coup, bah, je vais les inclure dedans, parce que c'est pour l'année prochaine. L'année prochaine, qui veut dire cette année, en septembre, quoi. Mais je pense que vous m'avez compris. Voilà, je mets en sens que ça ne tombe pas. Ensuite, j'ai trouvé deux des blocs 15-30. Alors, il y en avait d'autres. Les autres, on m'attirait pas plus que ça. Mais c'est surtout celui-là que je voulais. Voilà. Et celui-là, un petit peu. Mais voilà, l'autre m'attire beaucoup plus. Mais celui-là, franchement, il est un bijou. Voilà, il est trop beau. Voilà, je pense que pas mal de personnes. Moi, mais il est trop trop beau. Donc, nous avons du rose. Je sais pas pourquoi. Avec les feuilles roses, ça fait ça vraiment. Ça met une lumière bleue un petit peu. Voilà. Et là, donc, avec du doré. Bon, c'est pas la plus belle page, mais franchement, ça passe. Voilà. Celle-ci, je pense que c'est une de mes préférées. Elle est trop mignonne. Franchement, avec le petit foil, là, je sais pas si vous voyez bien, mais elle est trop mignonne. Même sans le feuille, elle est trop trop mignonne. On a celle-ci, voilà, une préférée, vraiment je pense que c'est ma préférée dedans, mais elle me trouble un petit peu, voilà. Je sais pas si vous l'avez eu, mais ça me trouble un peu, mais voilà, très belle franchement. Ça c'est du classique, c'est pas rose, c'est rouge. Voilà, des trucs à motifs comme ça on en a toujours besoin, avec les cactus, ils sont très beaux aussi les cactus, sur fond rose. Voilà, tu te fais comme ça en jaune, c'est très joli. Donc je passe, hein. Franchement, je pense que vous les avez vus maintenant de fois, hein. Je vais pas vous les repasser. Et ça, les confettis, j'ai adoré. Voilà, c'est rare que j'aime ce genre de truc, mais vraiment, je trouve très joli cette fois-ci. Voilà, bon, j'abrège, hein, parce que je pense que vous les avez vus passer déjà en fait. Donc voilà. Celui-ci, vraiment, j'ai failli en prendre deux. Si, en tout cas, si je le retrouve, je pense que j'en prendrai deux, parce qu'il est magnifique. Vraiment, wow. Donc nous avons cette feuille-ci avec du feuille, même sans feuille elle est magnifique. Voilà, les petits oiseaux qui ressemblent à des poissons, mais qui sont des oiseaux, qui sont trop beaux, franchement waouh. Voilà, celle-ci je pense que je la garderai pour l'automne, parce que je m'inspire plus pour l'automne, je sais pas pourquoi, mais ça m'inspire un peu plus pour l'automne, donc voilà, je la garderai pour l'automne. Voilà, vraiment ce papier qui ne craque pas dessus, vraiment. Moi j'adore. J'adore tout simplement. Celui-ci aussi, il est magnifique. Vraiment magnifique. Je pense que si j'en croise, je pense que j'en reprendrai deux ou trois. Ah non, j'allais dire, je n'ai pas de feuille, mais si. Mais on ne voit pas bien le feuille en fait. Sur celle-là. Mais non, vraiment, très joli bloc. Bah oui. Vas-y, je t'en prie, fais comme tu veux. Voilà, et celui-là, cette feuille-là, pareil, franchement, trop trop belle. Donc voilà, je pense que si je recroise ce bloc-là, j'en reprendrai deux, parce que vraiment magnifique. Mais comme je vous ai dit, je pense que je vais la garder pour l'automne, parce que ça m'inspire un petit peu, ou quoi. Ou peut-être que je la mettrai dans mon calendrier de l'Avent, je ne sais pas encore, il faut que je vais réfléchir à tout ça, mais vraiment, non, magnifique. Ensuite, j'ai trouvé des Lux Paper Blocks. Alors, c'est pas tous les nouveaux. Voilà, parce que je sais que Dicotime en avait sorti 4. J'en ai trouvé un sur les 4. Mais je pense qu'entre-temps, ils en ont ressorti d'autres. Voilà. Donc, en fait, il y en a 8 qui sont sortis. J'en ai trouvé 4 sur les 8. Mais bon, c'est pas grave. Il y en a un. En fait, j'ai pas fait attention. Mais c'est pas trop mon style, mais ça devrait pouvoir s'utiliser, je vais pas vous mentir, voilà. Mais bon, je pense que ça va aller. Mais bon. Donc j'ai trouvé celui-ci, donc je vous montre les couvertures d'abord. Mon préféré, celui-là, voilà. Celui-là aussi très joli, vraiment pour l'été, magnifique. Et celui-ci, voilà, celui-ci, donc je. Donc
voilà, je vais vous montrer tout ça, hein, tout ce beau monde, voilà. Donc, moi je les prends toujours par la fin, je trouve que c'est plus pratique même. Voilà, donc, pour le foil, dans celui-ci c'est foil argenté. Alors celui-ci fait un peu masculin, mais voilà, franchement, ça passe. C'est pas non plus quelque chose que je vais utiliser tous les jours, mais en tant que déco, vous savez, des fois on peut faire des belles décos avec ça. Franchement, ça passe. Les papiers par contre sont très jolis. J'ai hésité à le donner à quelqu'un, mais en fait, je me suis dit non, mais j'aime bien les papiers en fait. Voilà. Bon, à part le chien là, j'aime pas trop, mais ça, même pour l'automne, franchement, je trouve que ça ressort très bien. Ça, j'aime pas trop, mais ça va. Ça, c'est très joli, j'adore mon salon. C'est les motifs animaux, c'est pas trop mon truc, mais ça reste très joli. Bon, les petites choses, vraiment, elles sont très très belles. Hein. Bon, moi, j'aime beaucoup, beaucoup en tout cas. Enfin, le. Je sais pas, le mariage de couleurs m'inspire un minimum. Donc, ça va. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci, donc dont ils ont fait la pub sur Instagram. Les autres, je ne les ai pas vu passer sur Instagram, mais bon. Voilà. Donc, la foil dorée. Par contre, je suis moins fan des écritures sur celui-ci. J'aime pas trop comment c'est épais comme ça. Non. Franchement, celui-là, il est magnifique. Hein. Regarde-moi ça. C'est trop, trop mignon. Je suis désolée. Moi, j'adore. J'adore ça. Vraiment magnifique. En plus, on a tout plein de fleurs. Voilà. Ça, c'est mon truc. On adore. Je sais pas. Je pense que je vais en prendre un autre de celui-là aussi. Il est trop trop beau. J'avais pas regardé en détail, mais vraiment, il est magnifique. Hein. Waouh, je suis en train de rêver. Vraiment, non, il est magnifique. Oh, quelle beauté. Oh, regardez-moi ce papier. Non, ça y est, je tombe amoureuse. Là, vous verrez pas bien les détails, mais vraiment. Oh mon dieu. Il est trop trop beau. Waouh. Même celui-là, ça, je suis moins fan. Mais franchement, c'est très joli. Oh, regardez-moi ça. C'est des petites cerises. Elles sont trop belles. Là, vous voyez le papier tout noir là. Mais on a le détail dans le coin. Voilà. Non, franchement, il est très très beau. Hein. Magnifique. Les petits lions là sur fond rose. Voilà. Je pense que je vais en reprendre un autre. Plein de petites fleurs là. Voilà. Donc, vraiment, je. On adore, on adore, on adore. Il est trop trop beau. Mais comme je vous disais, je suis moins fan des... ça là, des vélum, voilà. J'aime pas trop quand c'est écrit en gros, là c'est écrit en gros et je suis mort. Mais vraiment, il est magnifique. Voilà, je pense qu'on a le mot magnifique. Celui-là aussi, il est très joli. Hein. Dans le magasin, j'ai regardé que l'arrière, mais il est très beau. Vraiment, très très beau. Moi je trouve. Là vous voyez, j'aime bien. Parce que c'est fin, c'est... Voilà. Regardez-moi ça. On a des décors vraiment qui sont... Waouh. Alors moi j'adore, j'adhère, je... Bah j'aime, voilà. J'ai rien d'autre à dire, j'aime. Voilà, non vraiment, ça fait un aspect vieillou un petit peu, mais il y a beaucoup d'aquarelles et moi je trouve que c'est très très joli. Voilà. Vous voyez là, je pense qu'on n'est pas bien, mais on a une carte de... Attendez, j'essaie de... Du nord de l'Amérique. Voilà. Franchement, c'est trop trop beau. Moi, j'adore. Vous voyez, le truc, elle, vous ne verrez pas, mais il y a des carreaux. Regardez-moi cette page, elle n'est pas magnifique. Franchement, moi, j'adore. C'est totalement mon style, vraiment. Waouh. Ça, je suis un peu moins fan. Je pense qu'avec un autre, enfin, une couleur de fond, ce serait mieux passé. Celle-là aussi est très belle. Voilà, ceci, on a les stickers. Waouh! Les stickers changent. Hein. C'est pas du tout le même style, je trouve. Mais vraiment, très très bon. Là, mon calque s'est décroché. Mais non, pareil, c'est vraiment très bon. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Celui-là est une petite merveille. Ouais, bon, c'est celui-là, je suis un petit peu déçue. Parce que j'ai pas bien regardé en magasin, comme d'habitude. Mais non, franchement, il reste assez joli. Par contre, le violet, c'est une couleur que j'utilise très très peu. Voilà.
nouvelles argentées pour celui-ci. Voilà, il y a des trucs où je me dis, bon, je peux les utiliser, mais d'autres, c'est un peu moins mon style, quoi. Voilà. Mais non, c'est pareil, ça s'utilise, hein. Bon, après, vous voyez, ce genre de truc, voilà, c'est pas trop mon style, hein, mais voilà, ça s'utilise, quoi. On va bien trouver des choses à faire avec, voilà. Donc là, on a une page de fleurs violettes. Moi, les points violets comme ça, j'aime bien. Les fleurs comme ça, ça passe. Voilà, ça, c'est pas mal. Le fond aquarelle, c'est quelque chose de sûr. Ça, par contre, j'adore. Ouais, les petites fleurs comme ça, j'adore. Le motif, quoi, j'adore. Et bon, ça sert un peu moins, mais voilà. Voilà pour les stickers, qui sont plutôt pas mal. Et j'ai eu la chance de trouver sur deux pages de Vellum. Voilà. Non, franchement, je suis contente. J'ai deux pages de Vellum, du coup. Voilà. Pas dans mon préféré, mais j'ai deux pages de Vellum. Et voilà, pour les decks de. Ensuite, j'ai vu, j'ai trouvé deux blocs. Alors, je pense que c'est un qui est une nouvelle collection. Celui-ci, c'est une collection qu'ils ont sorti très récemment. Je n'ai pas tous trouvé, j'ai trouvé celui-ci, heureusement. Mais il y en a un autre que je voulais vraiment trouver que j'ai pas trouvé. Alors, après, peut-être dans l'action, il n'y était pas là, mais. Ouais, franchement, il est trop beau. Voilà. Et celui-ci, je pense que c'est une nouvelle collection. Il y en avait d'autres comme ça, mais je les ai pas pris. J'ai pris celui-ci, mais vraiment, ils sont très beaux. Donc, celui-ci est avec feuille rose. Donc, il s'appelle Dreamy Jungle. Franchement, il est trop très beau. Ouais. Bon, il y a des pages, il n'y a pas de feuilles. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, il est très beau. Ouais, moi, j'aime beaucoup. J'aime. Là, vous avez des. Cartes, non, vraiment très jolie. On peut faire plein de choses avec, hein. Là, vous voyez, par exemple, j'ai pas de feuilles. Alors, je pense que quand il n'y avait pas de rose, j'ai pas mis de feuilles en fait. Mais là, regardez-moi cette page, elle est pas trop belle, franchement. Moi, j'adore en tout cas. Oui, même ça, c'est utilisable assez facilement. Hein. Donc, je l'évite parce que je pense que vous l'avez déjà vu. Mais, voilà. Là, vous voyez, par exemple, là aussi, j'ai pas de feuilles. Ça, c'est joli, c'est vraiment joli. D'ailleurs, là j'ai une petite idée qui me vient. Je pense que voilà. Là pareil, c'est une autre page, un peu comme l'autre d'ailleurs. Je sais pas, l'autre rose ou pas, pas du tout. Alors, l'autre est plus clair. Voilà, surtout. Mais en fait, on a des fois, on a deux fois la même page, un peu bizarre. Non, vraiment, il est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, vous connaissez, c'est du rose, tout est très bien. Et le watercolor design, donc franchement, il est vraiment trop beau. Par contre, il fait plusieurs saisons à la fois, et moi, ça, j'ai du mal parce que en général, je classe mes trucs par saison. Donc, j'ai un peu de mal, mais bon, il est vraiment très joli. Donc là, on a des petits pois bleus. Regardez-moi ça, c'est pas trop mignon, franchement. Ça, bon, voilà, mais. Ça pareil, vraiment il y a des pages, elles sont trop trop belles, moi j'adore, hein. On a une petite méduse là comme ça. Ça, je pense que je vais me le garder pour l'année prochaine. Enfin, je pense que je vais le mettre dans mon calendrier de l'avant. Celui-là, il est trop trop beau, celui-là, franchement, cette page là moi j'aime beaucoup beaucoup. Voilà, là on a, ah, j'avais jamais remarqué, mais c'est une petite banane, bon, ça a l'air pas très bon, mais voilà. Banane, les notes de soleil, j'aime beaucoup. Voilà. Et là, on a les plumes, elles sont trop trop belles. Là, on a des petites fleurs que vous ne verrez pas, donc c'est sur fond blanc, mais voilà, elles sont trop trop belles, vraiment magnifiques. Là, on a des petites abeilles. Voilà, là, on a des pastèques, je pense que ça saute aux yeux. Là, on a des cupcakes myrtilles, voilà, les fleurs comme ça, du bleu. Les petits citrons, je pense qu'ils aiment bien les citrons, la style fleur. C'est pas si vraiment un coup de cœur. Elle est trop trop belle, magnifique. Ça, j'aime moins les fleurs comme ça, par contre, mais bon, ça passe. Ça, c'est très joli, je trouve. Et les lignes bleues. Donc voilà pour mon haul action. Maintenant, je vais reprendre ça. Voilà pour mon haul action.
J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je suis très contente de cet achat. Voilà. Bah, si vous, ce sera pas, mais bon, en tout cas, j'en suis très contente. Voili, voilou. Je suis en train de réfléchir en même temps à ce que je fais. Parce que je sais pas en fait ce que je veux garder et ce que je ne veux pas garder. Enfin, pour voir ce qui peut aller dans mon calendrier de l'avant ou pas. Voilà, mais je pense que c'est de là peut-être. Je sais pas trop. Voilà, je réfléchis avec vous. Non, vraiment. Très très joli, mais je pense que je vais en garder très peu. Voilà, je pense que là, oula, je bouge n'importe quoi. Cela, je vais le mettre dans mon calendrier aussi. Ça aussi, voilà, ça fera des cadeaux au moins. Voilà, ça et au final, il ne reste que ça. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, moi je vais de ce pas ranger un petit peu tout ça. Voilà, je vais monter cette vidéo, la mettre sur YouTube en ligne, programmée, voilà. Et je pense que vous aurez un haul, deuxième haul action très bientôt. Et le haul arrive. Voilà, ça arrive. Le haul vêtements, etc. Ça arrive. J'ai pas beaucoup de vêtements, mais ils sont très très beaux. D'ailleurs, j'en porte un aujourd'hui. Voilà, c'est un jean. Voilà, vraiment, je l'aime beaucoup ce jean. Mais bon. Bref. Non. Ouais. Voilà, vous verrez dans les vidéos jeudi. Voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. On se revoit pour de nouvelles vidéos. Bye bye.